Quelles sont les tendances numérologiques du mois de juin 2024 ? Vous vous demandez ce que l'avenir vous réserve ? Quels sont les jours les plus propices à telle ou telle action ? Vous aimeriez avoir un éclairage sur votre chemin de vie ou votre destinée ? Alors vous êtes au bon endroit ! Je m'appelle Cédric et dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets numérologiques pour le mois de juin 2024. Vous allez découvrir comment calculer facilement votre chemin de vie. Les chiffres que vous obtiendrez seront très précieux pour la suite de la vidéo. Je vais vous donner un aperçu des grandes tendances pour ce mois de juin. Numéros de chemin, les uns après les autres. Et bien sûr, vous retrouvez le chapitrage de cette vidéo. Accrochez-vous, on part pour un voyage initiatique au cœur des nombres. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Comment calculer votre chemin de vie ? Je passerai rapidement sur cette notion car la plupart d'entre vous connaissent déjà leur chemin de vie. Il y a pourtant plusieurs méthodes de calcul. Il y a un article qui le détaille sur neurosatis.fr. Pour ma part, j'utilise lors de mes thèmes numérologiques que vous pouvez commander directement sur neurosatis.fr et en plus en ce moment il y a une promotion. Le chemin de vie est calculé de la manière suivante. Vous pouvez faire des réductions à tout moment. Il y en a qui les font au début, à la fin, au milieu, juste sur l'année, etc. Je procède de cette manière et vous allez voir pourquoi cette méthode est très pertinente. Vous prenez le jour, le mois et l'année. Vous additionnez le total. Ce résultat-là, vous allez prendre chaque chiffre que vous allez additionner les uns avec les autres. Et là, vous obtiendrez un premier nombre qui va nous donner une idée sur le départ de votre chemin de vie. Car un chemin de vie se compose souvent d'un seul chiffre, voire 11 ou 22. Mais il n'y a pas de chemin de vie 33 ou ultérieur. Et vous allez voir qu'avec cette méthode, même si ça vous paraît curieux, le premier chemin de vie 33 qui va exister, c'est quelqu'un qui va naître le 31 décembre en 6956. Donc vous voyez qu'on a un petit peu de temps pour avoir des chemins de vie 33. Place au 11, au 22 et de 1 à 9. Faites pause, faites vos calculs. Et c'est parti pour les résultats pour ce mois de juin 2024. Un mois de transformation et de réalisation sous l'influence du nombre 5. Juin 2024 vibre sous l'énergie puissante du nombre 5. Le 6 du mois de juin plus 8 de l'année 2024 égale 14 puis 1 plus 4 égale 5. Le 5 symbolise le changement, la liberté, le mouvement. C'est le moment idéal pour vous libérer du passé, sortir de votre zone de confort et oser de nouvelles expériences. Laissez votre curiosité vous guider vers de nouveaux horizons. Le soleil en Gémeaux jusqu'au 19 juin apporte une énergie de renouveau, de curiosité et de communication. Profitez-en pour exprimer votre créativité, apprendre de nouvelles choses passionnantes et élargir votre cercle social. Cependant, veillez à ne pas vous disperser et restez ancré dans la réalité. Le 8 de l'année 2024 vous rappelle l'importance de concrétiser vos projets avec pragmatisme et discipline. Des alignements planétaires puissants pour booster votre succès. Pour obtenir votre étude numérologique personnalisée, suivez le lien en description. Elle est d'une précision sans pareille. Vous serez porté par des alignements planétaires extraordinaires en juin. Jupiter trigone Pluton le 3 juin, ce qui est de très bon augure pour votre réussite et votre expansion. Saisissez cette opportunité pour rayonner et montrer vos compétences. Pluton nous invite à faire le tri, à nous délester de ce qui ne nous sert plus pour renaître sous un nouveau jour. En parallèle, Jupiter attire vers nous des opportunités inespérées et des rencontres inspirantes. Porté par cet alignement, notre potentiel créatif est décuplé. Les artistes et créateurs sont particulièrement stimulés pour partager leurs œuvres avec le monde. Notre optimisme et notre confiance en nous atteignent des sommets.
Le solstice d'été, le 20 juin, est aussi un moment puissant pour élever votre conscience et celle de l'humanité. Une nouvelle lune énergétique, le 6-6, pour renaître à vous-même. La nouvelle lune tombe le 6-6 et c'est une journée très spéciale, propice au lâcher-prise des schémas de codépendance négatifs. Associée à Vénus, elle vous invite à clarifier vos intentions, vous délester du superflu et planter les graines d'un nouveau cycle, notamment dans vos relations. Profitez de cette période charnière pour renaître à vous-même et aux autres. Un rituel de libération peut être très bénéfique ce jour-là. Pour fêter cet événement, participez au tirage au sort pour tenter de gagner votre étude numérologique personnalisée et connaître tous vos jours propices pour les 6 prochains mois. Le lien est en description ou rendez-vous sur neurosatis.fr dans l'agenda avant le 6 juin. Entre réalité et possibilité, trouvez votre équilibre. En juin, le 8 de l'année 2024 continue de vous ancrer dans le concret. Pas question de vous égarer dans les illusions. Restez pragmatique et discipliné. Cependant, le 6 du mois apporte une touche d'harmonie, d'amour et de responsabilité envers votre entourage. Écoutez votre cœur pour faire vos choix. La combinaison du 8 et du 6 donne naissance au 14, associé à la tempérance. Cet arcane du tarot évoque la conciliation, la guérison et même les voyages. C'est une merveilleuse invitation à trouver l'équilibre entre réalisme et ouverture au possible. Saisissez les opportunités de changement tout en gardant les pieds sur terre. Votre année personnelle, votre précieuse boussole. Pour naviguer au mieux dans les énergies de juin 2024, rien de tel que de connaître votre année personnelle. Calculez-la en additionnant votre jour et votre mois de naissance à l'année en cours réduite. 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Voici quelques pistes selon votre année personnelle. Année 1. Profitez de ce mois 7 pour prendre du recul, travailler vos projets et vous ressourcer avant un trimestre intense. Année 2. Le mois 8 amplifie votre année 2. Attendez-vous à des accords, contrats et engagements marquants, une belle étape. Année 3. En ce mois 9, finalisez ce qui doit l'être pour repartir du bon pied en juillet. Étudiez soigneusement vos choix. Année 4. C'est votre mois personnel 1. Il est propice au nouveau départ. Avancez avec détermination et surtout restez réaliste. Année 5. Le mois 2 met l'accent sur vos relations. Renforcez vos liens en communiquant avec douceur et empathie. Année 6, un mois 3 stimulant pour exprimer votre créativité et trouver des solutions innovantes. Communiquez. Année 7, le mois 4 vous invite à consolider vos acquis. Recentrez-vous sur l'essentiel en vous délestant du superflu. Année 8, votre mois 5 fait écho à l'année universelle. Changements et opportunités au programme. Dans le réel et le concret. Année 9. En ce mois 6, laissez parler votre cœur pour faire vos choix, négociations et transactions possibles. En route vers de nouveaux horizons. Chers amis, je vous invite à faire de ce mois de juin 2024 un véritable tremplin vers la suite de votre année. Prenez le temps de la réflexion, saisissez les merveilleuses opportunités de changement qui s'offrent à vous et consolidez vos relations comme vos projets. Vous avez tous les atouts en main pour vivre une période charnière des plus épanouissantes. Les énergies cosmiques et numérologiques sont là pour vous accompagner et vous guider vers de nouveaux horizons. Alors, en avant ! De belles surprises et réalisations vous attendent, j'en suis convaincu. L'avenir vous tend les bras. Surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Votre intuition sera votre meilleur allié pour avancer en conscience et vivre un mois de juin absolument extraordinaire. Je suis à vos côtés pour vous épauler avec mon expertise tout au long de cette parenthèse numérologique. Les jours remarquables en fonction de votre chemin de vie. Je vous rappelle que seule une étude personnalisée pourra vous donner des informations précises en fonction de votre année, mois et jour personnel, alliés à votre chemin de vie et votre nombre d'expressions. Chaque jour chante d'une mélodie propre à chacun. Laissez-vous tenter par votre étude numérologique, le lien est en description. Chemin de vie numéro 1,
mercredi 5 juin, vendredi 14 juin, dimanche 23 juin. Chemin de vie numéro 2, jeudi 6 juin, samedi 15 juin, lundi 24 juin. Chemin de vie numéro 3, vendredi 7 juin, dimanche 16 juin, mardi 25 juin. Chemin de vie numéro 4, pas de jour spécialement dédié au chemin de vie numéro 4 pour ce mois. Toutefois, vous êtes quand même porté par les énergies réduites du 22. Restez encore un peu pour les connaître. Chemin de vie numéro 5, dimanche 9 juin, mardi 18 juin, jeudi 27 juin. Chemin de vie numéro 6, lundi 10 juin, mercredi 19 juin, vendredi 28 juin. Chemin de vie numéro 7, dimanche 2 juin, mardi 11 juin, jeudi 20 juin, samedi 29 juin. Chemin de vie numéro 8, lundi 3 juin, mercredi 12 juin, vendredi 21 juin, dimanche 30 juin. Chemin de vie numéro 9, mardi 4 juin, jeudi 13 juin, samedi 22 juin. Chemin de vie numéro 11, pas de jour spécialement dédié au chemin de vie numéro 11 pour ce mois. Vous pouvez vous reposer sur les jours du chemin de vie 2 car vous profitez de leurs bonnes vibrations. Je vous rappelle, jeudi 6 juin, samedi 15 juin, lundi 24 juin. Chemin de vie numéro 22, samedi 18 juin, lundi 17 juin, mercredi 26 juin, qui sont également valables pour les chemins de vie numéro 4. Pour encore plus de contenu inspirant, inscrivez-vous à la lettre privée sur neurosatis.fr. Alors, prêt à écrire une nouvelle page de votre histoire ? Juin 2024 vous offre une occasion en or de vous réinventer, de concrétiser vos rêves les plus chers et de laisser votre lumière intérieure briller de mille feux. Saisissez cette opportunité et embrassez avec enthousiasme votre fabuleuse destinée. J'espère que cette vidéo vous a satisfait. Sachez que vous avez besoin d'en savoir encore un peu plus sur vos numéros et avec le thème numérologique que je propose, cela va permettre d'affiner encore les résultats. Parce qu'en fonction de votre chemin de vie, en fonction donc de votre année personnelle, on va aussi pouvoir calculer le mois personnel et le jour personnel. Et ça donne encore des informations encore plus précises par rapport à ce que je viens de vous annoncer. Je vous rappelle que le thème numérologique complet et personnalisé est directement commandable avec le lien en description. Alors que pensez-vous de ce mois de juin ? Vous vous sentez-vous propice et plein d'énergie pour l'aborder avec joie et sérénité ? Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir de vous parler de numérologie. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et vous pouvez me contacter également sur neurosatis.fr pour votre consultation personnalisée. Je vous souhaite un fabuleux mois de juin 2024. Soyez heureux et restez conscients.